Attends, on enlève la balle là. Racle-toi! Hey, regarde ça! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais un vrai 8, regarde ça, toi! Regarde-moi le bac, toi! Anticassi 2023! Wouhou! Ah! Hey, je l'ai! Hey, puis c'est gros! Dernier des quatre. Oh! Beau cadeau! Merci, Martin! Waouh! Bon cadeau. Hey Martin, il l'a vu, on se promenait, on avait décidé qu'on faisait la passe tranquillement. Il dit, il y a un monde, ça se tire. J'ai dit, avance. On avait établi le plan de match. Si on voit de quoi, t'avances. Je reviens, il est venu voir c'était quoi le camion. Bang! Il a tombé comme une poche. Hey, c'est un chevreuil de 190 livres facile. On va le peser. On va le peser, lui. C'est un des plus beaux, ça, sur le métal. Oui, je pense que oui. Regarde-moi ça. Hey, vite, chérie, faut faire des photos, là. Faut faire des photos le temps qu'il y a encore de la clarté. Ouais! Hey, félicitations, là! Bravo! Bravo, Martin. Oh! Hey, je te dis, là, les fesses m'ont serré de même, là. Ça. Hey! Tabarnache qui est gros, là. Hey! Salut, on est mardi 10 octobre, environ 5 heures, là. Martin, je suis un peu déçu de toi. Ma chasse est finie. Troisième jour de chasse. On dit que la chasse en octobre, Anticosti, c'est so-so. Hey, on a eu de l'action à Tabarouette. Ça doit être environ en 3 jours, rapidement de même, à peu près le 75e, 80e chevreuil qu'on voit. On n'a pas vu beaucoup de bocs, c'est sûr. T'sais. À soir, ce qu'on avait décidé, c'est que la dernière heure, on faisait du camion. Parce que bon, les chevreuils bougent un petit peu et tout. Puis, comment ça s'est passé? On roulait tranquillement, puis quand que je me suis tourné, il était, je dirais, 30-35 pieds peut-être sur le côté du chemin. Quand j'ai vu le panache, j'ai complètement disjoncté. J'avais de la misère à dire chevreuil. On avait établi une stratégie de continuer. J'ai continué en tapant Louis pour dire, c'est un gros, vas-y, pose-toi pas de questions. Exact. Laisse faire le trépied, il est proche. Ça. Fait que le chevreuil, ce qu'il a fait, on a avancé d'à peu près, je te dirais, 75-100 pieds, passé le chevreuil. Puis, j'ai ouvert la porte. En ouvrant la porte, j'ai vu le chevreuil qui avançait pour regarder le camion. Parce que lui, Martin était censé s'en aller. Il s'en allait avec le camion. Mais là, le boc était là. J'ai tiré un tir parfait pour un... Je suis vraiment content de mon tir. Le chevreuil a tombé comme une poche. Mais là, c'est le moment d'angoisse après. Il a-tu tombé? Il y a quoi? Oui, je l'ai vu tomber, mais... Puis là, je suis arrivé à côté, je capotais. Là. Vraiment, c'est mon plus beau mâle à vie. Puis, ça vient d'Anticosti. Je capote. Merci infiniment, Martin. Ça fait que ceux qui rêvent d'aller à Anticosti, là, pensez pas qu'il y a rien que des petits daguets puis des. Tu sais, là, il y a des beaux bocs en Anticosti, hein, voici la preuve. J'ai hâte de le faire peser parce que c'est un chevreuil d'au minimum 180 livres, d'après moi. Ça fait que super content.